Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur Magie Jazzy, enfin sur YouTube, et bien c'est parti. Ce soir, je reviens sur un livre que vous connaissez, dont j'ai fait pas mal de tours, Focus, Max Maven. Max Maven, je ne vous le présente plus, et pourtant, s'il y a quelques mots, un très très grand magicien qui nous a quittés il y a peu de temps, et franchement, ce livre, Focus, est une mine d'or. Ce soir, je vous propose un voyage dans une autre dimension, une dimension parallèle, Penetration of Blank. Vraiment un effet sympa et puis très très visuel et pas forcément très compliqué. Je vous mets les liens dans la description de toute façon pour retrouver le travail de Max Maven, des liens vers CC Magic également, vers les promos, les jeux de cartes et tout ce que vous avez besoin pour mettre au pied du sapin. Alors ce soir, Guyageux nous propose Secret Identity. C'est un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs, les parties durent en moyenne 30 minutes et à partir de 10 ans et plus. Les plus du jeu, c'est un jeu de déduction et d'identité secrète. C'est pas facile de faire deviner en fait un personnage avec juste quelques pictogrammes. Et puis enfin, il faudra un sacré sens de l'observation tout simplement pour découvrir l'identité cachée de chaque joueur. Je vous mets une vidéo Ludovox Ludochrono dans la description, sinon www.guyageux.fr, les boutiques vous les connaissez. Et il y en a une petite nouvelle, n'est-ce pas? C'est à Agen. Et voilà, ça s'agrandit, la famille Guyageux s'agrandit. Et franchement, félicitations à Sébastien et à toute son équipe. Côté actu, ce soir je suis encore sur scène chez Mans, et puis demain à 16h, Origine, on le rejoue le 14 janvier à Chauvigny, mais ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Je ne vous en dis pas plus pour ce soir, j'aurai fait court, pour une fois, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir, bonne magie, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao! Donc parfois en magie, on a des univers en fait parallèles, d'accord? Regardez bien, nous avons ici... 4 cartes sorties de mon jeu, d'accord, ok. En fait, 4 cartes qui sont les 4 valets. Trèfle, cœur, trèfle, carreau et pique. Et puis ici, eh bien, 4 cartes un peu spéciales, parce qu'en fait, ce sont tout simplement des cartes blanches. On peut les retourner de l'autre côté, et on voit bien que c'est vraiment blanc des deux côtés. Vous voyez? Ça va pour vous? Parfait. Donc, souvenez-vous, ici, nous avons les 4 valets. Et donc ici, nos cartes blanches, le spectateur est invité à choisir une couleur. Alors, n'ayant pas de spectateur sous la main, on va le faire avec le jeu. C'est pas un problème, on mélange un peu. Voilà. On coupe. Et donc le spectateur est invité à couper n'importe où, à prendre la carte de coupe. Alors, surtout à regarder la couleur, c'est-à-dire du cœur. Du cœur, eh bien nous allons tout simplement prendre le valet de cœur comme ceci, juste avec l'ombre, regardez, tac, et on le déplace parmi les cartes blanches, ce qui fait que maintenant on a bien une carte de retournée parmi les cartes blanches, et bien tout simplement le valet de cœur, juste là. Donc si on a le valet de cœur ici, ça veut donc dire que là il nous reste quoi? Il nous reste le valet de trèfle, le valet de carreau, le valet de pique, et ici, et bien ici, non, c'est pas une carte blanche, en fait, c'est le dos du valet de cœur, car si on vérifie ici, forcément, là, il a un dos blanc. D'accord. Bienvenue, messieurs, dames, dans la dimension parallèle.